Au commencement, l'univers ne comprenait que les terres, avec pour habitants les veilleurs, des êtres mythiques ayant la capacité de voyager à travers l'espace et le temps. Deux d'entre eux seront connus sous le nom de Dr. Monty et Shadowman. Au fil du temps, les veilleurs créèrent un artefact qui leur permettait de contrôler tous les pouvoirs de l'éther et leur a servi à créer un univers nommé Agartha. Ils baptisèrent cet artefact la clé d'invocation. C'est également avec cet artefact qu'ils créèrent tous les mondes qui peuplent aujourd'hui notre univers, dont le nôtre. Mais certains veilleurs, poussés par une soif intarissable de pouvoir, ont voyagé dans l'éther noir. Un univers maléfique d'où ils revinrent changés, corrompus, et seront connus sous le nom d'Apothicons. Les Apothicons et les veilleurs devaient alors cohabiter à Agartha. Sans que les veilleurs ne le sachent, leur alter ego corrompu construisirent un artefact pyramidal qui permettait de pleinement contrôler l'éther noir, amplifiant ainsi les tensions entre les deux groupes. Cette tension devenait palpable et un conflit se profilait. C'est alors qu'une guerre éclata, mais les Apothicons, voyant la défaite arriver, furent contraints de cacher l'artefact pyramidal le plus loin possible d'Agartha dans une caverne sur la Lune. Ils lancèrent aussi des météores d'élément 115 sur Terre, un élément mystérieux aux propriétés quasi divines, dans l'espoir que ses habitants l'utilisent un jour et ouvrent une brèche. À la fin de la bataille, les veilleurs gagnèrent et bannirent tous les Apothicons de la création pour l'éternité, les empêchant ainsi de nuire. Ils finirent par muter en êtres maléfiques habités par une soif de destruction infinie, leur principal objectif étant de retourner à Agartha pour se venger de ceux qui les ont bannis. Ces êtres ne ressemblaient même plus à leurs frères les veilleurs. Plusieurs milliards d'années plus tard, au XIIIe siècle sur Terre, les humains commencèrent à manipuler l'élément 115, ce qu'avaient prévu les Apothicons. Une brèche s'ouvrit, ce qui permit leur arrivée dans la création. La Terre était alors en grand danger, et c'est à ce moment-là que quatre héros firent leur apparition, et sauvèrent le seigneur Pablo Marinus des griffes d'un margois. Ils sauvèrent l'humanité à l'aide de quatre armes mythiques appelées bâtons élémentaires. À la fin de la guerre, ils lui demandèrent de construire un château en Autriche, avant de disparaître, sans un mot. Une fosse commune fut construite au nord de la France dans laquelle furent enterrés les soldats de la guerre aux côtés de dépôts d'éléments 115. Dans cette tombe fut érigée les statues des quatre héros de la guerre contre les Apothicons, montrant ainsi que si ces êtres maléfiques devaient revenir, nos quatre héros légendaires reviendraient. Plusieurs siècles après la Grande Guerre, en 1931, le docteur Ludwig Maxis, physicien, chercheur et philanthrope, forme le groupe 935, une équipe de recherche internationale créée dans le seul but de développer des inventions à but humanitaire. Le groupe 935 compte atteindre cet objectif à l'aide de l'élément 115. Cependant, les louables intentions du groupe 935 souffrent malheureusement très vite d'un cruel manque de moyens financiers. Afin de remédier à ce problème, Maxis décide de signer un contrat avec le parti nazi sans en informer ses collaborateurs. Le dit contrat concerne le programme Wunderwaffe, qui a pour but de créer des armes révolutionnaires alimentées par l'élément 115 et qui servira les puissances de l'Axe. Maxis espère qu'après la guerre, les fonds récupérés suite à la victoire de l'Allemagne mettront le groupe en bien meilleure posture pour poursuivre sa mission originelle. Après avoir récupéré une certaine quantité de 115, Maxis entame sur la base de Derise, le géant, à Breslau, une série de tests ayant pour but de maîtriser le transfert de matière, autrement dit, la téléportation. Alors que la majorité des tests se soldent par des échecs, l'assistant de Maxis, le docteur Edward Richthofen, et un autre scientifique du groupe 935, le docteur Schuster, réalise le même genre d'expérience de leur côté et réussissent à téléporter avec succès une noix à l'aide d'une quantité infinitésimale d'éléments 115. Quand Richthofen en parle au docteur Maxis, ce dernier, piqué dans son orgueil, se montre méprisant vis-à-vis des résultats obtenus par ses collaborateurs et leur reproche de ne pas travailler aux tâches qui leur ont été assignées. Il reconnaît cependant qu'un progrès a été réalisé, mais prédit qu'ils ne réussiront pas à téléporter un organisme vivant avant la fin de la guerre. Richthofen, qui ne comprend pas pourquoi Maxis envisage la guerre, le questionne sur ce point. Ce dernier lui révèle alors la teneur du contrat signé avec le parti nazi. Richthofen réalise alors, choqué, que Maxis a perdu de vue ses objectifs et que des scientifiques du monde entier œuvrent dans l'ignorance de l'identité de leur commanditaire.
À terme, Maxis ne risque-t-il pas de s'approprier tout le mérite de la découverte? Conscient de ne pas bénéficier de son aval, Richthofen et Schuster continuent leurs recherches sur le téléporteur. Au bout d'un mois, les deux scientifiques ont si bien avancé que Richthofen se propose comme cobaye à la téléportation. Malheureusement, au lieu de réapparaître dans la zone de réception initialement prévue, il se retrouve dans une sorte de catacombe située sur la Lune face à un mystérieux dispositif pyramidal, le MDP. Quand il tente de le toucher, il reçoit une décharge d'électricité statique et commence alors à entendre dans sa tête les voix d'un homme, le Shadowman. Il est alors corrompu par l'éther noir qui le poussera à retourner ciel et terre afin de rejoindre Agartha, le lieu de résidence du Dr Monty, un monde parfait. Progressivement, ces voix vont l'amener à développer des troubles d'ordre schizophrénique. La pyramide le téléporte alors en pleine jungle et dès son arrivée, il est poursuivi par des indigènes. En réalité, il a voyagé à la fois dans l'espace et dans le temps et se retrouve désormais plusieurs siècles en arrière. Il parvient à se faire adopter par les autochtones et découvre une civilisation, celle des Veilleurs, des êtres mythiques à l'origine de la création d'Agartha. La jungle dans laquelle se trouve Edward Richthofen constitue un passage vers ce royaume. Après avoir acquis de nombreuses connaissances sur les différentes technologies de cette civilisation, il met au point un dispositif basé sur les éclipses qui lui permet de revenir à son époque de départ. De son côté, Schuster, 3 semaines après la disparition de Richthofen, est de plus en plus inquiet. Il est sur le point de démonter le téléporteur quand son acolyte revient à Derise, porteur de toutes les découvertes qu'il a faites. Avec Schuster et d'autres scientifiques ralliés à leur cause, Richthofen consacre 2 années de labeur à édifier une base sur la Lune, à l'insu de Maxis. Cette base lunaire, baptisée Station Griffon, a été conçue dans le seul et unique but d'étudier le dispositif pyramidal. Richthofen, dont la mentalité a profondément évolué en 2 ans, est désormais obsédé par l'idée de s'emparer du pouvoir de la pyramide, sans doute à cause des voix qu'il entend perpétuellement dans sa tête. Il a beau connaître la fonction du MDP, il en ignore en revanche le mode de fonctionnement. Il charge donc Schuster, ainsi que son supérieur, le Dr Groff, de comprendre comment activer le dispositif tout en continuant à faire croire à Maxis qu'il travaille sous ses ordres, alors qu'il a la ferme intention de le tuer, lui ainsi que sa fille, toujours guidé par les voix qu'il entend. Schuster et Groff mettent du temps à comprendre le mode de fonctionnement de la pyramide. De leur côté, Maxis et Richthofen mettent ce temps à profit pour développer le projet Wunderwaffe. Ils élaborent ainsi, entre autres, un pistolet laser fonctionnant avec des cellules froides atomiques alimentées par le 115 et la Wunderwaffe DG2. Une arme capable de tirer un arc électrique d'une intensité de 200 000 ampères et qui se propage aux éléments conducteurs dans un rayon de 5 mètres à partir de son point d'impact. D'autres armes sont aussi produites par le groupe 935, comme le charognard du docteur Harvey Yena. Maxis se concentre quant à lui sur les téléporteurs dans l'espoir d'en fabriquer un pour la Wehrmacht et de faciliter les déplacements des forces allemandes. Les premiers tests échouent, les sujets d'essai se retrouvant réduits à l'état de chair informe. Mais l'alimentation des armes et des téléporteurs n'est pas la seule propriété intéressante de l'élément 115. Il permet aussi de ramener les morts à la vie. Maxis effectue alors des recherches sur le contrôle des zombies dans un théâtre abandonné de Berlin afin de contrôler les morts vivants et dans l'espoir de présenter le résultat de ses travaux aux hauts dignitaires nazis. Dans un avant-poste de Sibérie, Edward Richthofen teste de son côté l'élément 115 sur des sujets vivants. Il conduit ses expériences sur Takeo Masaki, Nikolai Belinsky et Pablo Marinus. Après avoir accidentellement tué Pablo au cours d'une expérience, Richthofen le remplace par Tank Dempsey, chef d'une équipe de reconnaissance des marines envoyée pour sauver le docteur Peter McCain, un espion de l'OSS qui avait pour mission d'infiltrer le groupe 935. L'équipe de reconnaissance devait libérer McCain d'un asile berlinois, mais tous ses membres ont été tués par des zombies, sur ordre de Richthofen afin d'éviter tout risque d'espionnage, et Dempsey en est l'unique survivant. Les tests de Richthofen affectent le comportement des sujets en amplifiant leur principal trait de caractère. Dempsey devient ainsi extrêmement violent, Takeo qui récite souvent des proverbes japonais devient extrêmement calme, et Nikolai est désormais incapable d'agir s'il n'a pas sa dose de vodka. Seule exception, Pablo Marinus commence à avoir des visions répétées de la Grande Guerre. Il mourra des suites des expériences sadiques du scientifique. Le 115 a également pour effet d'effacer de leur mémoire tout souvenir récent, ce qui fait qu'ils oublient au fur et à mesure les expériences auxquelles Richthofen les soumet. Alors que Richthofen a déjà mis au point ses téléporteurs depuis longtemps, Maxis s'évertue encore à y parvenir. Frustré par ses échecs et pressé de parvenir à un résultat, il utilise en guise de cobaye la chienne qu'il a offerte à sa fille Samantha, Fluffy. L'expérience se solde une fois de plus par un échec, mais cette fois-ci, au lieu d'être détruite, la chienne a été zombifiée. Samantha vient trouver son père pour le questionner au sujet de la disparition de Fluffy, et Maxis tente désespérément d'éloigner sa fille du laboratoire où se trouve la chienne zombie.
Richtofen saisit alors l'occasion pour mener son projet à bien et enferme Maxis et sa fille avec l'animal démoniaque. Il active ensuite le téléporteur dans l'espoir de faire disparaître Samantha et Maxis. Sans que Richtofen ni Maxis ne le sachent, le téléporteur fonctionne pour Samantha qui se retrouve sur la Lune. Prise de panique, elle se réfugie dans le MDP dont il est impossible de la faire sortir. Maxis, lui, est téléporté dans la salle qui jouxte les sous-sols de la fosse commune de la Grande Guerre. Il y développe la capacité de fusionner avec l'électricité. Une fois informé des événements, Richtofen demande aux scientifiques de retrouver Maxis. Une fois ce dernier retrouvé, il est chargé de rassurer sa fille. Il présente ses excuses à Samantha, après quoi il lui demande de tuer tous les traîtres du groupe 935. Il est immédiatement abattu. Samantha décide alors de se venger en lançant les zombies à la poursuite de tous les membres du groupe 935 qui ont trahi son père. Richtofen se retire alors dans une installation située au Japon afin de mettre au point un plan susceptible de retourner la situation à son avantage. Il emmène avec lui Dempsey, Nikolai et Takeo pour qu'ils lui prêtent main forte pour battre Samantha. À cette fin, il emmène le groupe au complexe désaffecté de Derise. Ils y utilisent le téléporteur grâce à la Wunderwaffe DG2 pour se rendre sur la Lune. Malheureusement, l'arme surcharge le téléporteur et les envoie à travers l'espace et le temps, causant ainsi la perte de son journal. Il se retrouve dans les années 60, dans le théâtre abandonné où Maxis voulait faire une démonstration du téléporteur et du contrôle des zombies aux hauts dignitaires nazis. Cette première téléportation à travers l'espace et le temps changera le cours de l'histoire et créera les premières fractures. Au cours des 20 années traversées par nos protagonistes, un groupe de recherche soviétique composé d'anciens du groupe 935 a vu le jour. Il a pour mission de créer des armes plus puissantes que celles de l'armée américaine, parmi lesquels figure le canon éclair. Dans le cosmodrome soviétique, un scientifique du nom de Yuri Zavoïski est affecté au projet Mercury. Il y développe des trous noirs portatifs, mais par la suite, est muté pour travailler sur l'envoi de singes dans l'espace. Cette mutation a été opérée sur la recommandation de Gersh, le responsable des recherches, car Yuri n'avait pas réussi à mener à bien la tâche qui lui avait été confiée, et que Gersh a décidé du fait de ses compétences de charger son neveu du projet Mercury. Yuri, furieux après Gersh et se sentant insulté d'avoir été affecté à ce qu'il considère comme une basse besogne en regard du projet Mercury, continue ses recherches de son côté. Un ours en peluche et des poupées russes attirent un jour son attention, et il se demande ce qu'un enfant peut bien faire dans un endroit pareil. L'enfant en question est en réalité Samantha Maxis qui va lentement guider Yuri sur le chemin de la folie. Et c'est dans un état de démence absolue que Yuri va réaliser le dispositif du projet Mercury. Il tend alors un piège à Gersh, l'attire près du dispositif complété et l'active. Les zombies ont alors libre accès à la station et Gersh se retrouve piégé dans un trou noir. Quand Yuri réalise ce qu'il a fait, il est déjà trop tard. Il est lui aussi piégé par son invention. Transformé, il atterrit au Pentagone où un groupe de recherche similaire existe. Il y sèmera la panique et causera la perte de tous ceux qui étaient présents, à l'exception de John Fitzgerald Kennedy, McNamara, Fidel Castro et Nixon. Richtofen et ses compagnons amnésiques rejoignent le cosmodrome abandonné et entendent l'âme de Gersh qui leur demande de réparer le mécanisme Casimir. Une fois toutes les réparations effectuées, l'âme de Gersh est délivrée. Il enverra le groupe de Richtofen dans un autre endroit avant de commencer à errer à travers l'espace et le temps. Si Richtofen a aidé Gersh, ce n'est évidemment pas par pure bonté de sa part. Il a besoin du mécanisme Casimir pour accomplir son plan. Dans le présent, Romero tombe sur les recherches du groupe 935 dans le cadre de la préparation d'un film sur la Seconde Guerre mondiale. Il décide de se rendre avec son équipe de tournage en Sibérie, près d'un navire abandonné. Peu après le début du tournage, l'équipe est attaquée par des zombies. Seuls Sarah Michelle Gellar, Robert Englund, David Leroux et Michael Rooker s'en sortent indemnes. Une fois réparé, le mécanisme Casimir a surchargé le trou noir et envoyé nos protagonistes en Sibérie où ils se retrouvent bloqués derrière une porte d'acier dont les délivrent les célébrités rescapées du massacre zombie. Richtofen leur demande alors de l'aider à obtenir le bâton doré, un artefact Vrilia. En guise de remerciement, Richtofen leur fait don de la Wunderwaffe DG2 pour les aider à lutter contre les zombies. Quant à ce qu'il est advenu des célébrités, personne ne le sait. On retrouve nos protagonistes à Shangri-La, un nom synonyme d'enclave paradisiaque devenu cauchemardesque depuis que tous ses habitants se sont transformés en zombies. Le temple abrite une installation minière remplie d'éléments 115 qui est à l'origine de cette transformation. Avant l'arrivée du groupe à Shangri-La, deux archéologues, Brock et Gary, s'y étaient rendus afin de prouver leur théorie sur Agartha.
Au cours des fouilles, Brock réalise que le temple n'a pas été construit par une civilisation ancienne et que son architecture est au contraire tout à fait moderne. Il active accidentellement le voyage temporel et lui ainsi que son acolyte périssent dans l'attaque de zombies qui s'ensuit. Au cours d'un voyage dans le temps, le groupe parviendra à sauver les deux explorateurs des diverses morts qu'ils encourent. Quand le groupe crée la pierre de convergence, elle se pose sur l'autel où est gravé le nom de Richthofen, et on comprend alors que ce lieu est en fait la jungle dans laquelle Richthofen avait été téléporté lors de son premier voyage. Les deux explorateurs se trouvent renvoyés au moment de leur découverte du temple, ce qui signifie qu'ils sont coincés dans une boucle temporelle. Désormais en possession du bâton doré et de la pierre de convergence, Richthofen peut enfin mener son plan à bien. Le groupe se rend dans la zone 51 pour se téléporter sur la lune, mais quand il l'atteint, il découvre qu'elle est déjà infestée de zombies. À cause de l'élément 115 présent sur la lune, les scientifiques et astronautes qui y ont été envoyés sont revenus zombifiés. Dans le même temps, sur un site d'essai nucléaire du Nevada, un groupe de scientifiques est victime d'une attaque de morts-vivants. Marlton Johnston, un des rares survivants, se voit contraint de s'enfermer dans un abri anti-atomique. Des agents de la CIA et du CDC sont ensuite envoyés sur le site pour tenter une opération de sauvetage et doivent affronter la horde de zombies qu'ils découvrent sur place. Sur la Lune, Richthofen demande au groupe de démarrer le MDP. Lorsque l'appareil se met en marche, il s'ouvre et révèle la présence de Samantha Maxis. Le dispositif cryogénique a parfaitement conservé le corps de Samantha et protégé de toute tentative d'intrusion. Richthofen se rend à un terminal d'accès pour alimenter le bâton doré au centre duquel il a placé la pierre de convergence. On comprend alors que Richthofen a réparé le mécanisme Casimir car il l'utilise comme antenne relais pour alimenter l'artefact Vril. Le docteur Maxis tente cependant, en vain, d'empêcher le projet de Richthofen en lui bloquant l'accès au terminal. Richthofen est néanmoins surpris de voir son ancien supérieur dont il croyait s'être débarrassé. Mais l'âme de Maxis a été absorbée par le MDP et il se trouve désormais dans une dimension d'où il peut communiquer et interagir avec son monde via n'importe quel système électronique. Richthofen insère le bâton doré couplé à la pierre de convergence dans le cadran en façade de la pyramide et échange son âme avec celle de Samantha, seul moyen dont il dispose pour s'emparer du pouvoir du MDP si quelqu'un d'autre le contrôle. Il pense avoir réalisé son noir dessein, mais c'était sans compter le docteur Maxis et nos trois soldats qui ont retrouvé la mémoire. Le docteur Maxis avait prévu un plan de secours au cas où Richthofen parviendrait à ses fins. Sous la directive de Maxis, le groupe lance trois missiles basés sur la Lune pour détruire trois tours sur Terre qui auraient permis à Richthofen de décupler son pouvoir. Malheureusement, les calculs de trajectoire ont été faits à la hâte, et les missiles causent des dégâts considérables sur Terre. Nul ne sait ce qu'il advient des trois soldats, et l'âme de Samantha, à la mort du corps de Richthofen, se retrouve enfermée au royaume d'Agartha. Après les événements ayant eu lieu sur la Lune, les missiles ont scindé la Terre et transformé les zones touchées en déserts de ruines. D'après les scientifiques du CDC, l'organisme américain de prévention des maladies, un élément pathogène est présent dans l'atmosphère, absolument partout à la surface du globe. Cet élément transforme la majeure partie de la population en zombies, quant aux survivants, ils sont victimes d'effets secondaires, le plus dangereux étant la paranoïa. Ces survivants sont sollicités par Maxis et Richthofen. Maxis entrant en contact avec eux par le biais de n'importe quel appareil électronique, tandis que Richthofen communique avec ceux qui ont mangé de la viande de zombies, acte rendu fréquent par les dramatiques conditions de survie sur Terre. Tous deux veulent inciter les survivants à activer des tours à travers le monde, mais chacun d'eux veut que ce soit fait à sa manière, de façon à être le seul à pouvoir l'utiliser. Tous deux prétendent évidemment agir pour sauver le monde et accusent l'autre de toutes les souffrances qu'endure l'humanité. Des clans se forment et les affrontements sont inéluctables. Certains essayent d'empêcher Maxis de parler, d'autres décident de l'aider, et inversement, mais presque tous périssent. Dans le même temps, Marlton Johnston, seul survivant du site d'essai nucléaire, rejoint Abigail Briarton, alias Misty, dans la ville abandonnée de Hanford, où il découvre deux autres survivants, Rossman et Samuel Stullinger, qui ont récupéré un bus. Les quatre survivants sont contactés par Maxis, qui leur apprend que la ville se trouve au cœur d'un dispositif de polarisation nécessaire à ses plans. Richthofen contacte ensuite Samuel, seul des quatre à avoir mangé de la chair de zombie, et lui demande de déjouer les plans de Maxis en activant les tours à sa manière. Richthofen téléporte les quatre survivants à Shanghai, la ville est réduite à l'état de ruine et on voit dans le ciel des fragments de la Terre qui sont en orbite. Dans un bâtiment abandonné, Maxis parvient à reprendre contact avec les quatre protagonistes et espère prendre le contrôle de la deuxième tour, mais Richthofen fait du chantage à Samuel. Il menace de révéler au reste du groupe la raison qui fait qu'il est le seul à entendre sa voix s'il ne convainc pas les autres d'activer la tour à sa manière.
Une fois le deuxième dispositif de polarisation activé, le groupe entame un voyage qui durera plusieurs mois. Russman guide le groupe hors de la ville en ruine, puis à travers les restes de l'Europe et de l'Afrique, afin de trouver la dernière tour ainsi que, peut-être, une explication à ces forces invisibles et mystérieuses qui les commandent. La plus grande crainte de Richthofen est que Maxis parvienne à atteindre cette brèche, un passage qui permet de contrôler l'énergie de l'éther en se rendant à Agartha. Le groupe arrive au troisième complexe de polarisation dans un village enterré en Angola, dans lequel il découvre un vieux géant nommé Arthur. Encore une fois, Maxis, comme Richthofen, demande au groupe d'activer la tour en leur faveur, et encore une fois, le groupe l'active en écoutant Maxis. Après la victoire de Maxis sur Richthofen, Maxis prend alors possession des pleins pouvoirs de l'éther noir. Il peut enfin rejoindre sa fille Samantha et il enferme l'âme de Richthofen dans un zombie. Il révèle alors à nos protagonistes qu'il compte détruire la Terre et ses habitants pour éliminer toute la menace zombie. Inquiété par la folie de son père corrompu par l'éther noir, Samantha décide d'emprunter une faille vers un univers parallèle pour demander de l'aide à une autre version de Maxis. Cet univers sera connu sous le nom de Dimension 63. C'est alors qu'un homme mystérieux commence à parler à Stullinger. Il envoie le groupe de Victis dans un endroit différent pour qu'ils commencent leur nouvelle quête, à la recherche du Chronorium. Ils sont alors téléportés dans un laboratoire abandonné de Broken Arrow, un organisme créé par le Pentagone pour éviter une apocalypse de zombies. Ils sont responsables par ailleurs de quelques créations comme l'Avogadro. À cause des bios, des créatures incontrôlables créées à cause du 115, la base a dû être évacuée, et Rossman, à l'époque, agent de sécurité, fut le seul survivant. Victis arrive dans ce laboratoire à la recherche de la pierre d'élément 115, tout en étant attaqué par l'armée de zombies de Richthofen, et les bios qu'ils ont libérés en activant le courant. Le groupe prend ensuite une autre brèche, qui les emmène à la base 0. Une base où une version de Maxis y entreposait toutes sortes d'artefacts mystérieux. Ils doivent alors utiliser leur sang pour prouver qu'ils ont une âme afin de se rendre au sein de la Terre Creuse, lieu où le Chronorium a été laissé. Une fois le Chronorium en leur possession, leur mystérieux commanditaire les ramène via une brèche afin de le récupérer. Dans un univers parallèle, appelé Dimension 63, l'histoire diffère légèrement de celle qui a été vue jusqu'à présent. Comme dans notre univers, les Veilleurs et Primis gagnent la guerre. Primis demande alors à Pablo Marinus, aussi appelé le Roi Loup, de construire le château de Der Eisendrache. Mais dans la Dimension 63, au lieu de construire le château, Pablo écrit un manuscrit racontant les événements de la Grande Guerre. Lors de ses recherches, il en apprend beaucoup sur les Veilleurs, les Apoticons et l'élément 115. Il découvre qu'un site au nord de la France en contient d'énormes quantités. Il s'y trouve une tombe érigée en l'honneur des 4 héros de la Grande Guerre, une grande partie des soldats y ayant participé et tout le stock d'éléments 115. Beaucoup plus tard, dans les années 1900, un jeune docteur Richthofen commence ses études à l'université d'Heidelberg sous le tutorat du docteur Ludwig Maxis. Richthofen, orphelin, le considère comme une figure paternelle. Très vite, tous deux décident de rejoindre le groupe 935, une organisation scientifique à but philanthropique. 2 ans plus tard, juste avant le début de la Première Guerre mondiale, Richthofen rencontre son double, mais plus âgé. Ce dernier lui donne alors 2 fioles de sang tout en lui disant qu'il en aura besoin, puis disparaît. Richthofen apprendra plus tard que ce double venait du futur. La Première Guerre mondiale éclata. C'est pendant cette période de troubles que le groupe 935 trouve le journal de Pablo Marinus. C'est en le lisant que le groupe 935 apprend qu'une ancienne tombe qui date de la fin de la Grande Guerre contient beaucoup d'éléments 115. Le groupe envoie immédiatement des hommes pour y mener des fouilles. Sur le terrain, plusieurs tombes souterraines sont trouvées, mais la chambre principale est impénétrable. Ils essaient alors d'y accéder, en vain. Toujours incapables de rentrer dans la chambre principale, les soldats se mettent à écouter de la musique avec un gramophone pour se détendre. C'est lorsque la musique écoutée est un enregistrement de la Source Noire que le passage vers les sous-sols s'ouvre. De son côté, Maxis continue d'étudier le journal de Pablo Marinus et y trouve des informations sur 4 bâtons élémentaires. Immédiatement, il réalise des plans pour ces derniers et demande à Richthofen de les construire. Plus Maxis lit le journal et plus il doute de sa vision cartésienne du monde. L'État allemand réalise que le groupe 935 est très en avance sur son temps et leur demande donc de créer des armes avancées afin de mener l'Allemagne vers la victoire. Le groupe 935 crée alors 4 robots géants, chacun alimenté par l'élément 115. Ils sont appelés Odin, Freya, Thor et Loki. Dans le même temps, Nikolai Belinsky, Takeo Masaki et Tank Dempsey sont chacun envoyés en mission par leurs gouvernements respectifs pour enquêter sur la machine de guerre allemande. Les expériences du groupe 935 avec l'élément 115 leur permettent de créer de petits portails.
Maxis note que des objets traversent les portails et émet l'hypothèse que ces brèches permettent de voyager à travers le temps et l'espace. C'est sans que personne ne s'en aperçoive que ces portails permettent à Samantha d'entrer dans la dimension 63, dans laquelle elle n'a pas de forme, mais peut interagir avec ses habitants. Elle demande à Maxis, pendant ses rêves, de l'aider. Pour l'en convaincre, elle lui révèle qu'elle est la fille qu'il aura un jour. Richthofen, persuadé que son mentor a été affecté par l'élément 115 de la même manière que les soldats présents sur le site de fouille, décide d'en avertir ses supérieurs. Moins d'un mois plus tard, l'élément 115 finit par réveiller les forces qui étaient jusqu'alors endormies, inondant ainsi le site de morts-vivants. Richthofen décide de prélever le cerveau de Maxis qui était sur le point de se transformer en zombie, affecté par une trop longue exposition au 115. Il place alors son cerveau dans un drone de fortune. C'est alors que Richthofen, Nikolai, Takeo et Dempsey se croisent et décident de s'allier pour faire face aux hordes de morts-vivants. Ils sont alors contactés par Samantha qui les guide pour reconstruire les bâtons élémentaires sur lesquels Maxis a travaillé. Le groupe finit par ouvrir le portail, emportant le drone équipé du cerveau de Maxis vers Agartha. Après quoi, le temps se fige dans cette dimension. Lorsque Maxis arrive à Agartha, le docteur Montil y attend depuis longtemps. Il crée une réplique du corps de Maxis pour y héberger son cerveau, corps qui est cependant dépourvu d'âme. Pendant ce temps, Samantha, qui s'est enfuie de l'univers 63, essaie désespérément de convaincre Maxis de lui venir en aide. C'est à ce moment que le docteur Monty amène l'âme de la jeune fille à Agartha. Elle y retrouve son père venu de la dimension 63, mais l'âme de Samantha ayant été corrompue par les terres noires, Monty se doit de l'emmener ailleurs pour la purger, loin de son père. C'est à ce moment que Maxis concocte son fameux plan, et en prenant exemple sur Monty qu'il avait déjà vu faire plusieurs fois, il ouvre un portail au groupe de Prémisse et les envoie à Derize. Après quoi il contacte Richthofen et le téléporte directement dans la maison à Agartha. Maxis lui expose alors tout le plan qu'il a élaboré en lui parlant de la clé d'invocation et du Chronorium, un livre contenant tout le savoir du passé et de l'avenir de toutes les dimensions. Richthofen demandera ensuite à un Richthofen zombie de poursuivre le groupe de Victis afin de les pousser à accomplir leur mission, récupérer le Chronorium. Il le chargera dans le même temps de récupérer leur fiole de sang. Richthofen ouvre une brèche l'emmenant en 1940 sous l'île d'Alcatraz où il construit un laboratoire souterrain. Peu après, il convainc Stanley Ferguson, un gardien de la prison d'Alcatraz, de participer à la construction du laboratoire. Une fois le labo opérationnel, Richthofen retourne à Agartha et commence à établir un lien assez fort avec Stullinger pour qu'il lui obéisse. Il guide alors le groupe de Victis à travers une faille vers le passé dans l'un des sites de Broken Arrow. Une fois que le groupe a récupéré le Chronorium, Richthofen les téléporte au labo souterrain et récupère le fameux livre. En le lisant, il en apprend beaucoup sur son histoire et notamment sur les fioles qu'un double de lui venu du futur lui avait données en 1914. Il découvre alors qu'il doit aller récupérer ses fioles de sang et que c'est maintenant à lui d'aller les ramener à son double du passé. Il ouvre alors une brèche l'emmenant vers Alcatraz, un peu plus loin dans le temps, où il prélève le sang des deux prisonniers nommés Sal et Finn. Il retourne ensuite dans le passé et donne le sang à son double en lui disant qu'il en aura besoin. Après son départ d'Alcatraz, les trois prisonniers visités par Richthofen sont déclarés coupables pour le meurtre d'Albert Arlington. Ce dernier les avait convaincus qu'ils pourraient s'échapper de l'île en construisant un avion sur le toit de la prison. L'avion n'ayant jamais vu le jour, Finn, Sal et Billy décident d'emmener Hal sur le toit et de le tuer pour leur avoir fait miroiter un plan d'évasion surréaliste. Ils sont condamnés à la peine capitale sur la chaise électrique. Cependant, leur sentence ne s'arrête pas là. Après leur mort, ils se réveillent tous les quatre dans une version alternative d'Alcatraz infestée de morts vivants. Dans cette version d'Alcatraz, les personnages vont réussir à construire l'avion, mais celui-ci s'écrase sur le Golden Gate Bridge. À chaque fois, le groupe finit par tuer Hal, perpétuant ainsi ce cycle pour l'éternité. Après avoir récupéré le sang de Finn et Sal, Richthofen retourne à Agartha et cryogénise le groupe de Victis au cas où il pourrait l'aider plus tard. Il laisse le sang de Victis au labo d'Alcatraz et se lance à la poursuite de la clé d'invocation. Thank you.
Morgue City. Dans cette version de la ville, un personnage connu comme étant le Shadow Man va prendre l'identité d'un certain Monsieur Rapt. Il va embaucher le reporter de la ville pour qu'il aille lui chercher des artefacts cachés en Russie et dans le Pacifique Sud. Le reporter récupère ces artefacts avec, parmi eux, la clé d'invocation. Quelques temps après, le reporter envoie un télégramme à Monsieur Rapt où il y inscrit les coordonnées de 4 personnes nommées Nero Blackstone, Jessica Rose, Floyd Campbell et Jackie Vincent. Le Shadowman connaît alors ses cibles et peut s'atteler à les pervertir. Jessica Rose, une employée du cabaret local, est contactée par un producteur qui, sous l'ordre du Shadowman, lui demande de jouer le rôle principal pour un de ses films. Mais Jessica apprend qu'un photographe est en possession de photos compromettantes et de peur qu'il les publie, ce qui ruinerait potentiellement sa carrière, elle décide de l'inviter pour mettre les choses à plat. Lors de leur rencontre, elle le menotte à son lit et le tue avec une paire de ciseaux. Le Shadowman prend ensuite contact avec l'avocat de Nero, un magicien célèbre dans la ville, pour lui dire que sa femme dépense leurs économies en drogue. Nero, qui coule déjà avec les petites dettes, décide de la tuer en faisant passer sa mort pour un accident du travail avec comme objectif d'utiliser son assurance vie pour payer ses dettes. Par la suite, le Shadowman prend l'apparence d'un journaliste et suggère au promoteur de Floyd Campbell, un boxeur peu connu, de faire de Floyd le combattant du jour en affrontant le champion Tony King. Persuadé qu'il va perdre le combat, Floyd décide de cacher des points américains sous ses gants de boxe et remporte le combat en tuant son adversaire. Du côté de Jackie Vincent, un policier corrompu, le Shadowman essaie de convaincre l'associé de Jack de dénoncer ses affiliations avec la mafia. En apprenant cela, Jackie décide d'emmener son associé dans un lieu isolé, le frappe au sol et l'achève d'une balle. Richthofen, toujours à la poursuite de la clé d'invocation, apprend que le reporter sait où la clé se trouve. Mais quand il va à sa rencontre, le reporter se souvient des instructions de Monty et refuse de lui dire. Richthofen décide donc de le tuer, mais n'a plus moyen de savoir où se trouve la clé. Le lendemain, les 4 criminels se rendent au cabaret, où ils s'évanouissent tous, puis se réveillent dans une ruelle avec une marque sur la main, avec devant eux la remorque contenant la clé d'invocation. Ils réussissent à ouvrir la boîte grâce à un pouvoir maudit qu'ils ont en eux. Le Shadowman les guide dans un premier temps pour effectuer des rituels, mais après les avoir terminés, ils ouvrent un portail aux Apoticons pour que ces derniers puissent détruire le monde. Conscients qu'ils ont été trahis, Nero, Jessica, Floyd et Jack s'allient aux veilleurs et réussissent à enfermer le Shadowman dans la clé d'invocation. Avant qu'ils puissent rendre la clé aux veilleurs, Richthofen arrive par une brèche et la leur vole. Après quoi, cet univers est détruit par les Apoticons. Richthofen, de son côté, va dans un autre univers chercher une âme innocente d'un de ses doubles qu'il envoie à Agartha grâce à la clé d'invocation. Samantha fait alors connaissance avec Eddie, qui va lui tenir compagnie pendant un certain temps, même si, apparemment, Eddie n'aime pas prêter ses jouets. Richthofen retourne à Der Riese, où il avait laissé Dempsey, Nikolai et Takeo. Quand il arrive, son double vient de téléporter le docteur Maxis et sa fille. Richthofen tue alors son double d'une balle en pleine tête. Primis, toujours à Breslau, sont confrontés à une horde de morts vivants tandis que le groupe 935 transporte le corps cryogénisé de Dempsey Ultimis vers Der Eisendrache en Autriche. Primis les poursuit avec un robot allemand. Après la disparition soudaine du docteur Edward Richthofen, le docteur Groff, responsable des recherches sur le MDP, prend le contrôle du groupe 935. Arrivé en Autriche, Primis neutralise Groff en détruisant la station Griffon et parvient à récupérer le corps d'Ultimis Dempsey. Richthofen utilise alors la clé d'invocation pour récupérer son âme. L'objectif de Richthofen, qui est aussi l'objectif du docteur Maxis et du docteur Monty, est de récupérer l'âme de certaines versions de Takeo, Dempsey et Nikolai afin de colmater les fissures temporelles. Primis doit maintenant se rendre dans le Pacifique Sud, dans la base de la Division 9, l'équivalent du groupe 935 au Japon. Après que le complexe de Shinonuma, près de la Tunguska, ait été perdu, la Division 9 décide d'en construire un autre dans le Pacifique Sud afin de poursuivre leurs expériences. Au même moment, Ultimis Takeo est envoyé par l'empereur du Japon pour surveiller les travaux de la Division 9. Takeo constate que la Division commence à utiliser des cobayes humains. Témoin de ces atrocités, il se sent obligé de prévenir l'empereur en qualifiant les travaux de la Division 9 d'inhumains. Par la suite, Takeo sera capturé par la Division 9 à la demande de l'empereur. Il sera utilisé pour des expériences qui visent à doter certains sujets humains de capacités végétales. Primis arrive quelques mois plus tard dans la base de la Division 9 et y récupère l'âme d'Ultimis Takeo,
Après quoi, Richthofen emmène le groupe dans le laboratoire souterrain d'Alcatraz où se trouvent les corps cryogénisés de Victis, à savoir Misty, Barlton, Stullinger et Rossmann. Primis récupère leur sang qui leur servira de protection au dire de Richthofen. Sophia, assistante et amante de Maxis, se fait mordre par un zombie lors d'une expérience. Maxis transfère alors son cerveau dans une machine dont l'acronyme se lit comme son prénom, Sophia. Elle sera envoyée à Stalingrad pour gérer les opérations du groupe 935 qui parviendra à créer génétiquement des dragons. Elle confirmera l'existence du projet Rasputin, un projet soviétique ayant pour objectif de produire des soldats robotisés et des géants russes afin de repousser les dragons allemands. Cependant, à cause de la présence de l'élément 115 sur le champ de bataille, Stalingrad est infesté de zombies. Au même moment, Peter McCain, qui est envoyé à Shinonuma, se retrouve à Gorodkrovy à cause de la faille ouverte par Primis. La bataille de Stalingrad fait rage, opposant les Allemands aux Soviétiques. Cette guerre se prolonge à cause des technologies utilisées par chacun des deux camps. Primis tombe alors nez à nez avec Nikolai Ultimis, ce dernier ayant passé plusieurs années à voir ses proches tomber les uns après les autres, et noie son désespoir dans l'alcool. Il combat maintenant les dragons avec sa machine de guerre. Richthofen et ses camarades arrivent à le stopper et récupèrent son âme. Avec la clé d'invocation, Richthofen envoie les âmes de Nikolai, Dempsey et Takeo vers la maison. Au même moment, dans la maison, Maxis dit à Samantha et Eddie de fermer les fenêtres et d'aller au sous-sol. Monty créera un corps d'enfant aux âmes d'Ultimis qui ont été ramenées à la maison. Primis arrive à la maison, là où ils se réunissent avec Maxis. Pour la première fois, Monty se présente au Primis. Être omnipotent et ancien veilleur, il est le démiurge du plan. Il a anticipé une succession d'événements afin de permettre de créer un univers libéré des apothicons. Ils détruisent le téléporteur au sous-sol, pensant ainsi conclure leur périple. Cependant, dans la nuit, Maxis est interpellé par le Shadowman. Ensorcelé par ce dernier, Maxis le relâche, lui permettant ainsi de libérer les apothicons. Primis, aux côtés du Docteur Monty, combattent les apothicons. Ils réussissent à les vaincre, ainsi que le Shadowman, les chassant ainsi de cet univers. Au moment de réamorcer l'univers, Monty découvre que Primis ont utilisé le sang d'êtres provenant d'univers n'existant plus, ce qui leur permet de ne pas être effacés de l'histoire, créant ainsi un énorme paradoxe. Monty trouvera une solution à ce problème en les envoyant à la fin de la Grande Guerre en 1300. Ainsi, l'histoire se répétera.